Alors bonjour à tous et à toutes. On inaugure une nouvelle forme d'intervention publique. Pas une conférence, pas du prêt à consommer, mais une table ronde participative. Donc il y a cinq chercheurs qui ont bien voulu se prêter à l'expérience. Je compte sur vous pour ne pas être timide et participer vraiment à cette table ronde. Table ronde que nous avions intitulée « Espèce de Cro-Magnon » en guise d'interjection avec un S entre parenthèses, parce qu'on va quand même poser des questions qui tournent autour de qui on est, de ce qu'on est. Donc c'est un événement dont l'idée a été soufflée très fortement par les conférencières du musée et celles qui font les visites sur les gisements préhistoriques et grottes de Dordogne. Et vraiment, ce qui serait bien, c'est de provoquer une rencontre où on aurait plusieurs disciplines scientifiques qui seraient invoquées et où on pourrait avoir une dimension un peu plus participative. Alors moi, dans mon inconscience, j'ai dit OK. Voilà, OK, et puis on va faire ça en même temps qu'une inauguration de vitrine, et puis on va faire ça en même temps que la commémoration d'un anniversaire de découverte des restes de Cro-Magnon, et puis on va faire ça avec plein d'autres personnes, comme ça, ça sera vraiment très participatif. Voilà. On y est arrivé. Même les grèves ne nous ont pas empêchés de réunir les cinq personnes. Voilà. Et de remplir la salle de cet auditorium. Donc j'espère que c'est une formule qui va vous plaire, j'espère que ça va bien marcher, et puis on en tirera les enseignements. S'il y a d'autres thèmes comme ça qui sont vraiment très, très porteurs, vous pourrez toujours les faire remonter par l'intermédiaire des gens du musée, des conférenciers et sières, et on pourra voir si... une autre année, on organisera quelque chose de similaire. En même temps, il y a eu aussi une rencontre pour des lycéens qui a été proposée. Hein. Sébastien et Noël, ici présents, ont rencontré cet après-midi. On les a fait travailler deux fois, hein, quitte à les faire venir. On les met à contribution. Et ils ont rencontré une bande. Une bande de jeunes. Fort civilisés. Des lycéens en première qui venaient de Nantes. Voilà. Et puis, comme on l'a dit, c'est pas fini. Il y a d'autres manifestations qui auront lieu à l'intérieur du musée, mais surtout à l'extérieur, ailleurs, pour commémorer ce 150e. Alors, nos intervenants, je vais les laisser se présenter un petit peu. Vous avez les noms sur cette diapositive. Je vais leur demander de se présenter et puis d'expliquer ce qu'ils entendent par la discipline scientifique qui est en jaune en face de leur nom. Voilà. Il y a juste une modification. Juste dans le cadre d'Amien, il n'aurait pas mis ça, mais il va vous l'expliquer. On va commencer peut-être par Céline. Voilà. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Céline Bon, je suis maître de conférence du muséum et je suis paléogénéticienne. Alors la paléogénétique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude de l'ADN qu'on va retrouver dans des restes fossiles ou archéologiques. Et cette étude de l'ADN, donc l'ADN, vous savez, c'est cette molécule qu'on a dans toutes nos cellules et qui provient pour moitié de notre père et pour moitié de notre mère, et qui code toutes les informations qui permettent à la fin de faire un être vivant qui fonctionne bien, puisque vous êtes ici. Et donc comme ça vient pour moitié de notre père et pour moitié de notre mère, on peut réussir à reconstituer l'histoire de nos ancêtres. On peut réussir à reconstituer l'histoire de nos ancêtres en utilisant l'information, la séquence qu'on retrouve dans cet ADN. La génétique, c'est une discipline qui est très ancienne, Il a fallu découvrir l'ADN, pouvoir le séquencer, mais qui a quelques dizaines d'années. La paléogénétique, l'étude des restes de l'ADN retrouvé dans des restes anciens, est plus compliquée, puisque l'ADN est de la matière organique, ça finit par se désintégrer comme le reste. Et donc c'est une discipline plus complexe et plus récente, et en particulier la paléogénétique appliquée à des fossiles aussi vieux que ceux de Cro-Magnon
est quelque chose qui est extrêmement difficile. Alors moi, personnellement, je ne travaille pas là-dessus. Il y a principalement une équipe dans le monde, en Allemagne, qui travaille là-dessus, mais je suis avec beaucoup d'intérêt ce que fait cette équipe, et c'est dans ce cadre que j'ai été invitée à venir participer à cette table ronde. Elle travaille sur l'ours des cavernes. J'ai travaillé dans ma thèse sur l'ours des cavernes, oui. Noël ? C'est à moi. Non, j'ai pas de micro, donc c'est pas grave. Non, je plaisante. Donc, Noël Coy, je suis indiqué comme historien des sciences. Je dirais que beaucoup plus modestement, je suis un historien surtout des sciences humaines, et notamment un historien de l'archéologie et un historien de la préhistoire. C'est-à-dire que dans mon domaine de recherche, je dirais que là où le préhistorien s'intéresse à l'homme préhistorique, moi je m'intéresse au préhistorien comme objet d'étude. Et finalement, la préhistoire, je ne vais pas commencer à vous faire un cours, mais surtout que là, je pense que la plupart d'entre vous le savent, elle se forme véritablement au milieu du 19e siècle. Elle est un peu plus ancienne que la génétique, mais les préhistoriens aiment bien dire que leurs sciences sont récentes. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'une science ancienne ou récente, mais en tout cas, donc, c'est sur cet ensemble 19e, 20e et maintenant 21e siècle. L'enjeu de cette histoire de l'archéologie, histoire de la préhistoire, c'est finalement d'interroger la démarche scientifique appliquée à la préhistoire. Et au-delà, je dirais, d'une démarche qu'on peut développer encore ou qu'on développait traditionnellement un peu sous le nom d'historiographie. On raconte comment on faisait la discipline, mais dans le but un peu de montrer que quand même c'est mieux ce qu'on fait aujourd'hui. Ma démarche, à l'inverse, est plutôt d'un petit noyau de personnes, on n'est pas très nombreux, mais il y a quand même beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur ce domaine-là. C'est une démarche qui est davantage celle de dire, par exemple, entre 1860 et 1870, au moment où Cro-Magnon est découvert, on a un certain nombre de concepts, on a un certain nombre de pratiques qui pour nous sont totalement aberrantes, voire condamnables. L'enjeu, c'est de comprendre pourquoi, à cette époque-là, elles sont parfaitement normales, parfaitement intégrées, et comment elles sont construites pour apparaître dans leur cohérence. Donc c'est cette démarche-là éventuellement, je vais faire ce soir devant vous en direct. Mais évidemment, ça ne légitime pas ces approches-là. C'est juste essayer de les comprendre véritablement, parce que c'était un des éléments de discussion avant que nous ne commencions. Effectivement, un certain nombre de mots, ne serait-ce que même des mots qui sont pour nous tout à fait familiers, comme « orignacien », non, ont un sens radicalement différent quand on est en 1869, en 1872 ou au début du XXe siècle. Donc même les mots qui nous semblent familiers sont piégés. Et une partie de ma démarche et de mon travail, c'est de soulever ces pièges et de traduire en français du XIXe siècle ou en français du XXe siècle le discours qui est celui qui est tenu à cette époque-là. C'est Florent maintenant ? Alors c'est à moi. Donc je suis Florent Détroit, je suis maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, comme Céline. Alors, je travaille sur les restes humains fossiles. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je suis intitulé paléoanthropologue, et Sébastien Villotte, à l'autre bout, qui fait la même chose, qui travaille sur les restes humains aussi, est intitulé anthropobiologiste, il vous expliquera pourquoi. Moi, je vais vous expliquer pourquoi paléoanthropologue, parce que je travaille effectivement sur les restes fossiles humains, dans une perspective évolutive, c'est-à-dire essayer de comprendre les relations ou non, phylogénétiques, évolutives, entre les différentes espèces d'hommes, vous m'entendez là ? Oui. Et donc moi, je travaille en particulier sur Homo sapiens et ses contemporains. Ses contemporains, non pas en Europe, un petit peu. Je travaille aussi un petit peu en Europe, mais ma zone de prédilection, c'est vraiment l'Asie du Sud-Est, et en particulier Indonésie, Philippines, où on est en train de découvrir beaucoup de choses, d'ailleurs, sur les contemporains d'espèces, autant d'Homo sapiens. Mais ça ne nous concerne pas tellement aujourd'hui. Donc voilà.
ça nous concerne aussi, mais un peu, quand même. Un regard différent. Donc voilà, c'est pour la présentation. Voilà. Damien ? Oui, donc moi je suis Damien Flass, je suis chercheur à l'Université de Liège en Belgique. Et comme mes collègues, je suis en général préhistorien. Enfin, moi, si on me demande ce que je fais, je vous conseillerais plutôt un préhistorien. Donc quelqu'un qui essaye d'être l'historien des sociétés de chasseurs du Pléistocène. Cette histoire, ma spécialité, c'est d'essayer de l'approcher par le prisme des vestiges matériels, en particulier des vestiges lithiques, de tous ces outils en pierre taillée, leurs déchets de fabrication, qui sont la source principale d'informations, puisque ce sont eux qui sont les plus nombreux, qu'on retrouve les plus facilement sur les sites archéologiques, puisqu'ils traverser les dizaines ou les centaines de milliers d'années, alors que les autres vestiges organiques se conservent plus difficilement. Donc voilà, c'est essayer d'approcher l'histoire de ces sociétés par l'étude des vestiges lithiques. Et en plus, une petite touche d'originalité, c'est d'essayer de faire ça sur une approche géographique assez large, en confrontant les données qui viennent de différentes régions, de ne pas être forcément uniquement sur un bout de l'Europe pour essayer de comprendre la préhistoire, parce qu'on est face à des questionnements qui sont généralement très larges, même globaux ou continentaux, et donc d'essayer de s'intéresser à différentes régions. Par exemple, je travaille un peu sur le nord de l'Europe, ou sur l'Asie centrale, sur l'Asie septentrionale, pour avoir un regard un peu large, adapté aux problématiques qui sont celles de la préhistoire ancienne. Voilà. Il reste Sébastien. Yo. Bonsoir. Donc je suis Sébastien Vidot, je suis chargé de recherche au CNRS. Donc moi je me définis, j'aime beaucoup le mot anthropobiologiste, parce que contrairement à mon camarade Damien par exemple, je travaille beaucoup sur les squelettes préhistoriques, mais je ne me définis pas comme préhistorien. C'est pas quelque chose qui... C'est des choix de prisme, mais je pense que c'est intéressant les termes qu'on choisit, quoi. Et donc pour moi, anthropobiologiste, ça correspond à quoi ? Ça correspond à l'étude de la diversité de l'homme dans son aspect biologique, avec la question des marges de cette diversité et de ce qui arrive au niveau du pathologique. Donc qu'est-ce qui est dans la variabilité, dans la capacité à varier de l'homme, et qu'est-ce qui est dans les limites, vraiment dans les marges de la pathologie. Et je m'intéresse à ça sous plein d'aspects, sur des aspects qui sont méthodologiques, comment on enregistre cette diversité. Donc je travaille sur des squelettes, donc comment on enregistre des changements osseux ou dentaires, essentiellement. Donc quelles sont les méthodes qui permettent de faire ça, comment on les interprète, les limites des interprétations, c'est des aspects méthodaux qui m'intéressent. Et après, sur les aspects pratiques, je m'intéresse aux causes de ces modifications. Quelles sont les causes essentielles ? C'est les causes, en général, vous connaissez la grande distinction entre l'acquis et l'inné. En général, c'est à la fois de l'acquis et de l'inné. Donc il y a une part de notre vécu, puis il y a une part des gènes qu'on a. L'interaction des deux fait ce à quoi on ressemble. Et donc j'essaye de désentremêler ça et de voir les choses qui sont plutôt associées à l'acquis et à l'inné pour discuter certains aspects, comme les liens familiaux entre des gens, entre des inhumés, ou à l'inverse, des choses qui ont été acquises durant la vie, comme associées à l'activité des gens, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur vie. Donc quelque chose qui est très bio et pas centré sur une période donnée. Et alors juste pour conclure, ce qui m'intéresse pour la période du paléolithique supérieur en particulier, c'est que la diversité biologique à cette période est particulièrement forte, et voire même on a des choses qu'on n'observe pas à l'heure actuelle. Donc il y a un aspect qui est assez fascinant, de considérer que c'est des individus qui sont de la même espèce que nous, mais qui expriment une diversité qui est plus importante que la diversité qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Voilà. Donc merci. Je vais vous proposer le principe de fonctionnement suivant. J'ai récolté un certain nombre de questions auprès des personnes qui sont chargées effectivement des conférences et du guidage donc dans le musée et sur les sites du Centre des Monuments Nationaux. J'ai proposé aussi aux membres de la SAMRA de poser, si vous voulez, en préalable, un certain nombre de questions. J'ai aussi interrogé les personnels variés du musée pour savoir s'ils avaient eux aussi des questions au sujet de Cro-Magnon. Ces questions, on ne va pas les poser en préalable,
je les poserai si vous séchez un petit peu dans vos questions et si vous n'avez pas tout de suite, je pense qu'elles apparaîtront, mais je les poserai, et ce ne sont pas les miennes, hein, je précise, c'est un nombre de questions récoltées auprès du plus de personnes que je pouvais. Donc elles vont apparaître. Si elles apparaissent pas naturellement, je les poserai. Ça dépend du timing qu'on a, mais je vais vous laisser la parole en tout début. Maintenant, pour commencer vraiment, soit vous avez déjà des questions toutes prêtes, toutes chaudes, et ça vous brûlez d'envie de les poser tout de suite, soit on fait un petit tour pour vous chauffer un petit peu, ou je demande aux 5 intervenants pourquoi Cro-Magnon est important pour eux, pourquoi les restes découverts en 1868 sont importants pour eux. C'est vous qui voyez, est-ce qu'il y a déjà des questions qui émergent, ou vous préférez prendre encore un petit peu de temps? Il n'y a pas de main qui se lève? Pas quelqu'un qui brûle d'envie tout de suite d'attaquer là? Allez Jean-Pierre. Attendez, je ne sais pas, je ne suis pas maître de cérémonie. Alors ensuite, vous allez me faire courir, mais je demande que ça. On va commencer par... Façon de parler, hein. On va commencer par Jean-Pierre. Et après, madame. Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir quel a été l'impact de la découverte de ces squelettes de Cro-Magnon parmi la communauté scientifique de l'époque. Comment ça a été reçu? Bon. On commence par toi, évidemment. Merci, Jean-Pierre. On va commencer par des aspects historiques, après tout. Le plus simple, c'est de commencer au commencement. En fait, c'est une autre façon de répondre à la question, une des questions qui était dans notre liste. Pourquoi ce Cro-Magnon est-il aussi important? Pourquoi? Hein, oui, comme dirait, je ne sais pas si Jean-Max Thoron est parmi nous, mais pourquoi Cro-Magnon est-il le périgourdin le plus connu de... Voilà. Et je pense que ça rejoint ton interrogation. Et en fait, c'est quelques éléments auxquels j'ai pensé ces jours-ci, en préparant notre discussion. Effectivement... Cro-Magnon, donc je vous parlais milieu 19e, pardon, pour l'origine de la préhistoire. Donc Cro-Magnon est découvert en 1868. On remonte un peu le début des travaux d'Édouard Larté et Henri Christie, c'est 1863. En plus, Jean-Pierre connaît tout cela bien mieux que moi. Non. Oui, oui, c'est une vraie question. Oui, je ne sais pas. Oui, je passe pas le grand oral, là. C'est une vraie question. En histoire, on va dire, en histoire des sciences, en histoire intellectuelle, on a rarement de véritables dates, mais un certain nombre de travaux fixent autour de 1859, là, le règlement de cette question de l'ancienneté de l'homme, de l'existence de l'homme fossile. Donc, on va dire que la préhistoire, intellectuellement, parce qu'après les institutions, ça va courir jusque après les années 1950, où c'est le moment où enfin la préhistoire va intégrer l'université. Ça, c'est un autre dossier. Mais en tout cas, donc Cro-Magnon, ça intervient très très vite dans ce débat sur l'ancienneté de l'homme. Et ce débat, en fait, il s'est essentiellement fondé sur les outils, sur les outillages. La question, pour simplifier, c'est une question plutôt d'histoire naturelle. C'était le fait de pouvoir prouver que l'homme avait été contemporain des grandes faunes disparues, les faunes fossiles, qu'on connaît très bien depuis les travaux de Georges Cuvier, de l'anatomie comparée, début 19e, et enfin, des travaux conduits au muséum à Paris. Et en gros, on peut considérer qu'en 1859, la démonstration est faite, l'ancienneté de l'homme est approuvée, sauf qu'elle se fonde sur l'observation stratigraphique des outils avec ces faunes fossiles, et on ne connaît toujours pas l'artisan de ces industries. Alors, quand je dis qu'on ne le connaît pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas, parmi l'énorme catalogue d'hommes possiblement fossiles, identifié de spécimens pouvant être reconnus comme réellement fossiles. Alors vous me direz, ou vous ne me direz pas, Néandertal, c'est 1856, on est 3 ans avant.
Alors, Néandertal, effectivement, un certain nombre de chercheurs le considèrent comme appartenant à cette humanité fossile. Un certain nombre d'autres chercheurs le considèrent comme un cas pathologique, enfin, comme, ont une interprétation différente pour expliquer sa morphologie, ce qui fait que pour une partie de la communauté préhistorienne, il est en dehors du champ scientifique. C'est une aberration. Et en outre, Néandertal est rattaché à un ensemble qu'on appelle la race de Cannstatt, qui est un site près de Stuttgart, et une découverte qui a lieu en 1700. On est dans des choses qu'on a maintenant remis en question, pas pour Néandertal, mais pour Cannstatt, mais qui même à l'époque, puisque je vous ai dit, on va à chaque fois se poser la question dans les termes de l'époque, même à l'époque, est quand même mal calibrée, mal acceptée. Bon, la communauté n'est pas d'accord. Donc, il s'agit de trouver cet homme, et finalement, à une ou deux exceptions près, mais très controversées, quand Cro-Magnon déboule en mars 1868, c'est véritablement le candidat idéal qui va être validé assez vite et qui va assez vite prendre sa place la partie anthropologique qui accompagne le développement de la partie archéologique de la préhistoire. Dans les institutions, donc je parlais d'institutions tout à l'heure, les musées jouent un rôle énorme au XIXe siècle. Une autre institution qui joue un rôle central, c'est le Congrès international d'archéologie et d'anthropologie préhistorique, fondé en 1867. Après, il y en a un par an. Alors, ça, c'est exceptionnel, un congrès par an. Et quand vous allez à l'année N+1 au congrès, vous avez les actes publiés de l'année dernière. Trouvez-moi aujourd'hui un congrès de préhistoire. Voilà, on est d'accord. Bon, donc, c'est vraiment quelque chose qui marche très fort. Alors, c'est une institution un peu molle, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bureau. Enfin, ici, il y a un bureau du congrès, mais il n'y a pas de local. C'est dans les grandes capitales européennes. Ça tourne, mais il y a énormément de travail qui se fait. Et le congrès, en plus, a un rôle décisionnaire. C'est-à-dire, quand une question pose problème, on la met au programme du congrès. Et on la tranche, enfin on la tranche ou on la tranche pas, mais on essaie de la trancher. Donc, excusez-moi, je reviens à mon propos en essayant de ne pas trop faire de digression. Donc, Cro-Magnon donne un visage à cet homme préhistorique. Et donc ça, c'est le premier élément. C'est vraiment le premier qui sera indiscutable pour la communauté de 1868, la communauté de l'époque. Et par ailleurs, Cro-Magnon va... je dirais qu'il y a d'autres découvertes qui vont être rattachées à ce type. Alors ça, c'est une notion importante. J'évoquais tout à l'heure l'Aurignacien. Qu'est-ce que c'est que l'Aurignacien en 1868? En 1868, ça n'existe pas. Mais en 1869, on parle de Mortier publie une ébauche de classification et parle d'époque d'Aurignac, époque du Moustier. Donc on est véritablement sur une notion... chronologique, sauf qu'il n'y a pas de date à mettre en face, hein. C'est une chronologie relative, mais c'est pas du tout comme aujourd'hui quand on parle d'Aurignacien, on parle de stade culturel, on parle de quelque chose qui est toujours un peu du domaine de la science naturelle, mais qui est quand même quelque chose qui relève de la culture matérielle. Lorsqu'on est dans les années 1860-1870 et jusqu'à la fin des premières années du XXe siècle, quand on parlera de Moustérien, d'Aurignacien, de Magdalénien, etc., on sera dans la détermination d'un étage géologique. Et ça, c'est véritablement important, c'est-à-dire que ça n'engage pas le caractère de culture ou de civilisation de ces hommes, mais ce qui permet... C'est pour ça que je citais le congrès. Ce qui permet la connexion de la démarche archéologique et de la démarche anthropologique, c'est que toutes les deux, ça c'est Alain Schnapp qui l'avait publié, enfin qui avait notamment développé cette idée, ça avait été repris par Claude Blanquart au centre Coiré, etc., c'est que toutes les deux fonctionnent sur la notion de type. Et à un moment donné, à un type d'outil, on va pouvoir associer, donc tout ça, oubliez, hein, on va pouvoir associer un type humain. Et ce type humain, ce sera Cro-Magnon. C'est-à-dire que dans la foulée 1872, il y a des découvertes de logerie basse, donc ce squelette qu'on appellera l'homme écrasé, parce qu'il est presque au fond de la stratie, et qu'en plus, comme Gabriel de Mortier ne veut pas, refuse la notion de sépulture,
ce sera pratique d'imaginer que l'homme il est là parce qu'il a été écrasé par les blocs tombés de la voûte. 1872, c'est aussi la découverte des Baussé-Roussé à Menton, l'homme de Menton, la grotte des enfants, etc. Donc il y a tout un tas de toute une population comme ça qui sort de terre, et toutes ces choses-là vont être ramassées sous l'appellation Cro-Magnon. Donc c'est vraiment le moment où le type monte en puissance, et ce type de Cro-Magnon, bon après je vais pas aller au bout parce que sinon c'est moi qui fais la table ronde à moi tout seul, mais c'est pas sous les fers. Mais donc ce type de Cro-Magnon, il va ensuite servir de base à la théorie. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de Broca, de Paul Broca, hein, qui fonde la Société d'anthropologie de Paris, l'école d'anthropologie, et qui étudie les fossiles de Cro-Magnon, mais dans les Reliquiae Aquitanicae, hein, que Jean-Pierre connaît très bien, pour les avoir notamment traduits avec Megan O'Farrell, qui est là aussi. Il y a un autre anthropologue qui intervient, c'est Franz Prunerbe. Et Franz Prunerbe, il va fonder sur les crânes de Cro-Magnon une théorie qu'on appellera théorie mongoloïde, et qui va dire que les anciennes populations européennes sont des populations qui sont reliées aux populations actuelles d'Amérique du Nord, de Laponie, etc. Et ça va ouvrir sur du comparatisme ethnographique, sur une compréhension, pour le coup, de la civilisation de l'homme paléolithique européen. Ça va ouvrir sur des théories migratoires. Enfin, ça va ouvrir sur tout un tas de choses. Et c'est vraiment Cro-Magnon, le type de Cro-Magnon, le squelette, mais aussi le type, qui est au cœur de tout ça. Donc je pense que, véritablement, donc il démarre très fort. C'est à la fois le premier, et c'est celui qui cristallise un peu toutes les découvertes qui sont faites et qui sont comparables. Hein. Après, parallèlement, on découvre des Néandertaliens et on crée... À un moment donné, Kahnstadt va tomber et on va faire monter en puissance ce type de Néandertal. Et rapidement, alors là, je ne saurais pas où l'on est de date, mais on va dire que fin 19e, on a nos deux grandes humanités, Néandertal, Cro-Magnon, côte à côte, dans n'importe quel ouvrage, n'importe quel manuel de préhistoire. Après, les choses vont se stabiliser. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles Cro-Magnon est important, c'est qu'il intervient très tôt et d'emblée, il domine toute la compréhension de la partie anthropologique, anthropologie physique, sur le paléolithique supérieur. Voilà dans les grandes lignes. Avant de vous laisser la parole, je vais juste demander s'il y a aux autres intervenants s'ils veulent compléter la réponse. On fera comme ça à chaque fois. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut compléter la réponse de Noël? Moi, j'ai juste précisé, Noël a pas mal parlé du 19e, début 20e. Et après ? Je pense qu'il y a un truc qui est peu connu et que je trouve assez fascinant. À votre avis, la dernière étude sérieuse complète des ossements de Cro-Magnon, elle date de quand ? 2013. Elle date de 1965. C'est-à-dire que les dernières personnes qui sont vraiment intéressées de manière sérieuse et qui ont publié leur étude uniquement aux fossiles de Cro-Magnon, pas comme matériel de comparaison, hein, j'entends, pas comme bout d'os précis, le crâne ou le truc, mais qui ont fait une reprise totale du matériel sérieuse, c'est 1965. Autant vous dire que les méthodes, les théories et les paradigmes d'anthropologie biologique ont pas mal évolué depuis 1965. Donc je trouve assez fascinant que ces squelettes qui sont connus à travers le monde, qui sont cités de manière comme synonyme de l'espèce humaine, sont si peu étudiés et si peu connus par les anthropologues. Et une petite anecdote, il y a eu des datations qui ont été tentées de faire sur Cro-Magnon. Il y a eu beaucoup de tentatives de datation qui ont été faites. Il y a des paléogénéticiens qui ont tenté de prélever de l'ADN, et ils ont prélevé de l'ADN sur des fragments qui sont dans la collection de Cro-Magnon, mais qui sont clairement des fragments qui ne sont pas de Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance de cette collection de la part de la communauté scientifique qui est assez hallucinante. Et je rajouterai plus, j'ai aucun problème avec les gens du muséum, je travaille très souvent avec eux, mais même les conservateurs des collections de Cro-Magnon, les listings des collections sont catastrophiques à l'heure actuelle. On est en train de travailler sur la remise à jour de ces listings, mais ils datent des années 70, quoi.
C'est-à-dire qu'il y a, à la fois un aspect fascinant qui marque le monde anthropologique et préhistorique au 19e et qui continue à être connu dans le monde entier et qui, mais qui d'un point de vue scientifique n'avance quasi pas. Je trouve ça très intéressant. Voilà, juste un petit... Je me permets de rajouter juste un mot depuis le muséum. Non, juste pour préciser, c'est super important ce que tu viens de dire, mais pour préciser que les restes de Cro-Magnon sont conservés au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, certes, mais ce sont des collections patrimoniales, elles appartiennent à tout le monde. Et le fait que ce soit toi qui vienne maintenant travailler dessus, alors que personne au muséum n'y a travaillé pendant des années et des années, finalement, c'est normal. C'est normal. Enfin, c'est pas spécialement que le musée de l'homme devrait particulièrement travailler dessus. Ce qui m'étonne, c'est que personne ne soit accaparé du problème Cro-Magnon. Depuis, bah c'est sûr. Ouais. Depuis près de 50 ans. C'est ça. C'est pas que ce soit des gens du musée ou d'ailleurs. Hein. C'est juste qu'on ait conscience que la dernière étude sérieuse complète, elle date quoi. Elle date vraiment. Elle est bonne. Hein. C'est pas le problème. Enfin, il y a plein de choses qui sont bonnes dedans. Je remets pas en cause ce qu'ont fait Valois et Billy en 65. Mais ils ont quand même une approche encore qui date de 65 quoi. Aussi parce que, juste pour ajouter un petit mot, parce que la paléanthropologie ou l'anthropobiologie, ces dernières décennies, s'est beaucoup focalisé sur des choses très anciennes. Aussi. Voire éventuellement néandertalien. Par contre, tout ce qui est Homo sapiens, on a considéré ça comme acquis. Tous les deux, on est bien placés pour savoir que quand on est arrivé faire nos thèses, présenter en disant Cro-Magnon, bon, c'est très intéressant. Homo sapiens, bon, c'est trop récent. Donc, il y a aussi. C'est bon. Ma question s'adresse à Sébastien Villotte. Dans votre avant-propos, vous avez utilisé des mots comme acquis, inné, paléolithique supérieur, avec des différences de squelette importantes. Mmh. J'aimerais bien vous entendre développer ça, si c'est possible. Ouais. Alors, on va faire court. Je vais vous donner deux exemples. Ouais, je peux vous en donner d'autres, hein, mais on va essayer de faire court. Il y a plein de gens qui essaient de définir l'espèce humaine à partir du squelette, parce que c'est quand même ce qu'on a dans le passé, pour essayer de voir si un fossile appartient à l'espèce humaine ou pas. Il y a des gens qui ont essayé de le faire sur la morphologie du crâne, notamment sur les mesures crâniennes. Ils ont pris des mesures sur le crâne, ils ont fait des indices, et ils ont dit, à partir de là, ces équations-là, elles permettent de dire si c'est quelqu'un qui fait partie de l'espèce humaine ou pas. Et ils l'ont appliqué sur des fossiles, et notamment des fossiles dont on sait à peu près d'un point de vue de la morphologie, qui font partie de l'espèce humaine, notamment sur les fossiles du Gravettien. Donc. Et ça les exclut, en fait. Ce qui veut dire que ces gens ont des crânes qui sont différents de tout ce qu'on peut observer à l'heure actuelle. Ils sont au-delà de 95% de la variabilité, pour parler en termes de stats, de ce qu'on connaît à l'heure actuelle au niveau crânien. Donc ça, c'est un des aspects qui m'intéresse. C'est-à-dire que ces gens au paléolithique supérieur ou au Gravettien sont morphologiquement assez différents de maintenant et suffisamment différents pour quand on essaie d'appliquer une approche statistique, bah on les exclut parce qu'on ne retrouve pas des trucs équivalents de nos jours. Donc ça, ça exprime par exemple la diversité crânienne. Un autre truc, c'est des études qui ont été faites par un collègue italien qui s'appelle Vincenzo Formicola et un collègue américain qui s'appelle Trenton Holliday sur la stature et ce qu'on appelle les proportions corporelles, savoir si vous êtes plus ou moins large, plus ou moins gros, plus ou moins voilà. Et ils ont montré depuis les années fin 80, début 90, je pense quand même, ils ont montré que les populations du début et de la fin du paléolithique supérieur étaient très très différentes en termes de stature, en termes de masse corporelle, et voire même en termes de proportion des segments des membres. Et donc leurs travaux, c'est sérieux, bah, c'est sur dans les années 90, donc il y a des squelettes qu'ils ont étudiés, qui ne sont plus maintenant considérés comme paléolithiques supérieurs, il y a des changements de date, comme tout le temps. Quoi. Et les études de paléogénétique qui sont sorties il y a 3 ans, sur cette période-là, ont montré qu'il y avait visiblement, probablement, un changement de population à un moment donné, entre le début et la fin du paléolithique supérieur. Donc on a pu observer, enfin on peut faire une corrélation qui n'a jamais été faite encore réellement entre données ADN et données morphologiques, qui montre que les changements morphologiques dans ce cas-là, c'est plutôt des changements de population, ils sont associés à des changements de population. Quoi. Les interprétations de ces gens, c'était plutôt de dire qu'il y avait des changements en termes de comportement ou nutritionnel ou de stress. Donc leur interprétation était fausse, mais leur observation était vraie.
C'est-à-dire qu'il y a une réduction drastique de la taille, et c'est probablement parce que c'est pas les mêmes types de gens, en fait. Type. Il faut que je me méfie de ce terme. C'est toujours par toi. Donc c'est un autre exemple de changement de morphologie. Ça vous va comme réponse? Quelqu'un veut compléter? Quelqu'un veut compléter? Peut-être Céline, sur la partie génétique. Je veux bien compléter. Alors sur les termes d'acquis et d'inné, alors moi j'emploie plutôt le terme de la part génétique et puis la part environnementale sur une morphologie, sur un phénotype. C'est-à-dire que notre phénotype, notre apparence, nous, tel qu'on est biologiquement, on est issu de l'interconnexion entre deux aspects. Un aspect qui est hérité de nos parents, qui passe par notre ADN, qui passe par notre génome. Mais en fait, si vous prenez deux jumeaux qui ont le même génome, hein, de vrais jumeaux qui ont le même génome, et si vous les mettez dans des environnements complètement différents, à la fin, quand ils seront adultes, ils auront des apparences qui seront pas complètement différentes, mais qui seront largement différentes. Une autre manière de voir les choses, c'est par exemple la couleur de la peau. On sait très bien que c'est codé par des gènes qui vont faire qu'on va produire plus ou moins de mélanine. Mais entre l'hiver et l'été, entre est-ce que vous êtes bronzé ou est-ce que vous n'êtes pas bronzé, vous n'allez pas avoir la même couleur de la peau. Et sur énormément d'aspects de la biologie humaine, on a cette interconnexion entre ce qui nous est inné, ce qui est à la base, qui provient de notre génome, qui provient de nos ancêtres, et ce qui correspond à l'environnement ou à la vie qu'on a vécue, qui va s'imprimer à l'intérieur de notre biologie. Donc c'était la première partie sur cette question inné-acquis. Et bon, je n'ai rien à compléter quasiment sur ce qu'a dit Sébastien sur l'ADN. Effectivement, un des aspects qu'on a peut-être du mal à imaginer, c'est qu'il y avait au paléolithique supérieur un certain nombre de populations qui se sont éteintes sans donner de descendants, sans participer à la diversité génétique actuelle. Et on voit effectivement des données. Alors il y a eu une étude paléogénomique qui a été faite sur un petit nombre d'individus, parce qu'au final, dans cette étude, il n'y a que 51 individus. Alors 51 individus, pour résumer, 40 000 ans, enfin 30 000 ans là, en l'occurrence, c'est quand même pas beaucoup. Surtout que la plupart de ces individus sont relativement récents, de la toute fin du paléolithique supérieur ou du mésolithique, cette période intermédiaire entre le paléolithique et le néolithique. Mais ce qu'on observe quand même, c'est qu'à chacune des grandes césures culturelles, il y a un changement de population, sauf à la fin du paléolithique supérieur, puisqu'il y a énormément de cultures différentes qui sont nommées entre épipaléolithique, mésolithique, etc., etc. Mais sinon, entre les Aurignaciens et les Gravettiens, génétiquement, ils ne descendent pas les uns des autres. C'est une autre population qui est arrivée. Entre Gravettiens et Solutréens, c'est pareil, on a une autre population qui arrive. Donc, on a ces transformations massives de la diversité génétique qui peuvent vraisemblablement, effectivement, sans aucun doute, expliquer les transformations morphologiques qu'on voit dans les squelettes. Et ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est des traits morphologiques qui ne sont pas observés aujourd'hui. Bah, ce n'est pas étonnant si c'est des populations qui n'ont pas contribué aux êtres humains qui peuplent la Terre aujourd'hui. Merci. Alors, il y a aussi des traits morphologiques qu'on observe, oui, qui sont probablement acquis durant la vie. C'est-à-dire, il y a des asymétries, par exemple. J'ai beaucoup travaillé sur les asymétries, la différence entre le côté gauche ou le côté droit, ou des choses comme ça, qui, chez les hommes du paléolithique supérieur, les hommes de type masculin, étaient tellement marqués que c'est des choses qu'on voit quasiment plus de nos jours. En tout cas, pas dans cette population ici, quoi. Moi, qui suis un joueur de tennis professionnel. Donc, il y a des choses qui sont purement acquises, qu'on observe quasiment plus non plus. Quelqu'un d'autre peut intervenir ? Après, on y arrive. On y arrivera à cette question-là. Quelqu'un d'autre veut compléter cette histoire de succession de population, oui, aurignacien, gravettien, etc. Juste un mot pour nuancer, parce que j'ai pas exactement la même lecture que toi, je pense, de ces résultats de génétique qui, en effet, bon, la génétique, moi, je trouve que la paléogénétique, c'est un outil que je trouve assez fascinant, assez formidable, parce que ça nous ouvre une nouvelle fenêtre d'observation sur ces populations paléolithiques. Voilà, on a un nouveau point de vue qui peut nous apporter des données fondamentales, très importantes, sur la compréhension de l'histoire de ces populations et de la dynamique de ces populations. En effet, comme tu le rappelais, bon, c'est une science qui est naissante, et donc c'est une fenêtre qui vient de s'ouvrir, mais elle est encore assez petite, parce qu'il n'y a pas énormément d'échantillons qui ont encore pu être étudiés, parce que c'est pas facile,
de trouver de l'ADN dans ces ossements qui ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils permettent, parfois, ils ne sont pas assez bien préservés que pour qu'on obtienne suffisamment d'ADN que pour avoir des résultats parlants. Et pour cette succession de populations liées à ces entités culturelles qui ont été définies, aurignaciens, gravettiens, magdaléniens, etc., il y a en effet des différences de lignées qui sont claires. Mais comme pour l'instant, on n'a pas une couverture sur l'ensemble du continent européen, on peut avoir des différences dans certaines régions alors qu'on a des continuités dans d'autres. Par exemple, le sud-ouest de la France, il y a très peu d'individus du Paléosup, d'hommes de Cro-Magnon, d'Homo sapiens, du Paléolithique supérieur, qui ont pu être analysés. Donc on a des données qui viennent un peu de Belgique, un peu d'Europe centrale, quelques Espagnols, des fossiles allemands, etc. Et du coup, on peut avoir des régions, par exemple, une région que je connais bien, c'est la Belgique, on voit une différence de génétique entre un Homo sapiens, un homme de Cro-Magnon, de l'Aurignacien, et ceux du Gravettien. Ils sont pas dans les mêmes lignées génétiques. Mais on est dans une région où, en fait, il n'y a pas d'occupation continue. Parce qu'on est très au nord, on est assez proche des glaciers qui vont se développer au cours du Paléolithique supérieur. Et donc, c'est des régions qui, parfois, vont être très froides, avec des dépôts de loess, ce sont des déserts de poussière, donc avec un environnement très dur, avec très peu d'animaux et donc très peu de populations de chasseurs. Et donc ces régions vont être occupées de manière discontinue. Et donc c'est pas très surprenant d'avoir des lignées différentes, parce que vous avez une population qui va venir là un moment, elle va se retirer, une autre population peut venir d'une autre région pour le repeupler à un moment où c'est un peu plus favorable, se retirer, etc. On a un peu des battements qui peuvent avoir des origines différentes. Dans le sud-ouest de la France, on est là dans une région qui était plus clémente et où on a une occupation qui est plus continue. Le solutréen, par exemple, il existe dans le sud-ouest de la France, il n'existe pas dans le nord de l'Europe. Voilà. Ou le magdalénien inférieur, le badgoulien, etc. Et dans cette région-ci, on voit quand même, par exemple, que une partie du génome qui est présent à l'aurignacien dans le nord de l'Europe, on le retrouve un peu au magdalénien en Espagne. Donc il y a des possibilités de continuité qui ont dû exister. Ce n'est pas des remplacements non plus complets, mais des vagues de population qui viennent à chaque fois remplacer complètement les précédents. Par contre, après le magdalénien, entre la fin du magdalénien et le mésolithique, c'est vrai que là, à peu près dans toute l'Europe, il y a une lignée qui vient, on ne sait pas trop d'où, mais vers le sud-est de l'Europe ou le Proche-Orient, qui remplace un peu les lignées génétiques qui étaient présentes auparavant, qui étaient très claires, par exemple, au magdalénien. Donc cette fenêtre d'observation que nous offre la génétique est à la fois très importante et en même temps elle est neuve et elle est encore à compléter, c'est un puzzle encore un peu partiel. Je suis tout à fait d'accord, on travaille à chaque fois sur un petit nombre d'individus et c'est des observations qui sont partielles. En revanche, moi ce que j'ai trouvé intéressant dans l'étude dont on parle, c'est que tous les fossiles qui étaient attribués à une même culture, génétiquement, parce que les auteurs ont fait de façon un petit peu aveugle, ils ont donné d'autres noms, donc on est toujours obligé d'aller regarder la correspondance, donc ils ont créé des clusters génétiques, ils ont regardé après quelle était la culture des individus qui faisaient partie de ces clusters génétiques, et on avait une bonne correspondance entre cluster génétique et cluster culturel. Peut-être qu'on trouvera un gravettien qui n'appartient pas au cluster génétique tel, mais en tout cas ça permet quand même de discuter. Et je dois dire que pour nous, c'était aussi une bonne nouvelle, quelque part, c'est que c'était une sorte de confrontation de deux approches très différentes. Et finalement, ça permet de dire aussi que l'analyse des vestiges matériels dit quelque chose de vrai de ces populations. C'est une bonne nouvelle aussi pour les... Peut avoir des hypothèses après sur des tout le monde était content. Sur lesquels on n'a pas de données génétiques, mais que des données culturelles. Donc, le type, ça marche. Ah bon. Je vous la passe. Vous vouliez compléter votre question ou ça va? Oui. Je demanderai jusqu'à demain. On laisse parler les autres? D'accord. Alors. On restera à disposition pour vous. Bonsoir. Ma question va peut-être être un peu naïve, mais on a du Néandertal en nous, a priori, hein, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Et Néandertal, il a vécu plus longtemps en Espagne, assez tardivement. Est-ce qu'il y a plus de Néandertal chez les Espagnols que chez nous? Déjà, première question. Et deuxième question, il y a différents Homo sapiens, donc un petit peu partout, en Chine, je crois, en Russie, en Indonésie.
Et est-ce que c'est, est-ce que l'ADN aussi de ces, des peuples qui vivent dans ces endroits, enfin, comment dire, est-ce que ça a influencé en fait le caractère des peuples du monde? Voilà, je crois que c'est. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de répondre, de comprendre la deuxième question. Je vais essayer de répondre à la première, peut-être je vais répondre à la deuxième en même temps. Donc effectivement, on a du Néandertal en nous. En tout cas, tous les hommes modernes non africains ont du Néandertal dans leur génome. Et ça vient d'un événement ou d'un petit nombre d'événements qui se sont produits avant que ces différentes populations se répartissent, enfin, se diffusent dans l'Eurasie. Donc on pense que ça s'est fait juste après la sortie d'Afrique, potentiellement quelque part qui serait situé entre le Proche et le Moyen-Orient. On a eu d'autres événements après de métissage, mais qui ont touché des populations qui n'ont pas laissé de descendants aujourd'hui, donc on n'en voit pas trace dans nos génomes. Donc on n'a pas de différence, il n'y a pas eu des métissages, enfin les populations qui sont en Espagne aujourd'hui, elles ne descendent pas des populations qui étaient en Espagne il y a 40 000 ans. Elles descendent d'un métissage de plein de populations qui étaient un peu partout en Eurasie. Et ils n'ont pas plus d'ADN que nous, d'ADN néandertalien que nous. En revanche, ceux qui ont plus d'ADN néandertalien, c'est les Asiatiques. Donc là, on a plein de questions. On ne sait pas encore très bien pourquoi les Asiatiques ont plus d'ADN néandertalien que les Européens ou que les Amérindiens ou que les Mélanésiens. On a plusieurs hypothèses qu'on n'a pas encore réussi à tester. Mais en tout cas, on n'a pas la voilà, on a eu plusieurs remplacements de population, plusieurs phénomènes de migration et de métissage depuis l'époque où l'homme moderne s'est installé en Europe. Et donc, nous ne sommes pas le portrait de ce qui s'est passé dans le passé. Mais il peut y avoir une influence. Quand je parlais, par exemple, tout à l'heure, par rapport à l'influence que ça peut avoir sur le caractère des différents peuples, les Chinois, est-ce que le petit peu d'ADN Je vais prendre un exemple un peu à part pour tenter de répondre. Regardez, enfin moi je connais très mal l'histoire de France. Hein. Regardez l'histoire de France sur les deux derniers millénaires. Regardez en termes de vagues de population qu'il y a eu, en termes de peuplement proche ou pas proche. En termes de phénomènes, de gens qui sont venus, de quantité de gens qui sont venus à des endroits spécifiques de la France ou pas spécifiques de la France, de manière générale, de manière diffuse. On imagine ça en se disant que ça devait être à peu près la même chose dans le temps, plus ou moins ralenti, parce que les déplacements n'étaient peut-être pas les mêmes. Mais je pense qu'il faut quand même voir qu'on a une vision qui est extrêmement parcellaire du passé et que l'homme, pour moi, c'est un animal curieux, qui marche, qui va voir son voisin et qui, s'il peut, couche avec sa femme. Alors, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les femmes qui bougent et dans d'autres villages, mais c'est une autre question. Une lecture différente. Ah, il y a toutes les femmes qui applaudissent. Messieurs. Donc, je pense qu'il faut... il est tentant d'essayer d'avoir quelque chose, de voir quelque chose où il y a une diffusion dans le temps pour une zone locale donnée, mais sauf cas, là c'est les études de Genette actuelles qui le montrent assez bien, sauf cas d'Isola très très marqué, vous arrivez sur une île, vous restez sur votre île, enfin j'exagère, mais bon, je pense que la transmission sur des millénaires de phénomènes morphologiques ou de choses associées à l'ADN, ça tient pas la route parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'échanges, soit avec les voisins, soit avec des vagues de migration, quoi. Donc on peut essayer de lire des choses de ce qui se passe, comme le dit Céline, on ne sait pas pourquoi en Asie on va retrouver plus d'ADN néandertalien. Enfin, je veux dire, pour l'instant on n'a pas l'explication, quoi. Potentiellement on va formuler des hypothèses grâce à des résultats qu'on va obtenir pour trouver des explications, mais il faut bien avoir conscience qu'on est quand même dans une lecture parcellaire des choses, quoi. Comme le faisait remarquer Damien, on parle de 30 000 ans, on a 51 squelettes pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'instant, on a quand même peanuts. C'est pas encore super bien. Donc voilà, on construit un puzzle. Il faut avoir conscience que pour l'instant, on a très très peu de pièces, quoi. Que ce soit l'anthropo, l'ADN, la préhistoire, on a, et pour autre chose que l'Europe, je dirais, si on va au-delà de l'Europe, on a extrêmement peu de pièces. Donc c'est à la fois fascinant parce qu'on va essayer d'en mettre, quoi. Il faut pas non plus se leurrer sur l'image qu'on dessine, quoi. D'autres compléments d'information de la part
de Florent ou de Damien, non, ça va ? Juste peut-être pour préciser que on disait ça vite, rapidement, le réfugium néandertalien en Espagne, qui a beaucoup imprégné les publications ces dernières décennies, en fait, il est en train de tomber petit à petit. Hein. Il reste très très peu de sites qui indiqueraient ce réfugium, donc faut faire très attention à ça. Et l'autre chose pour boucler, enfin pour rejoindre ce que disait Sébastien et ce que disait Céline, alors c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais les contributions qu'on retrouve dans les génomes des populations actuelles, contributions d'espèces autres, type Néandertal, vont plutôt être plus élevées quand ils ont été moins effacés par les vagues de migration successives. Parce que comme le disait Sébastien, notre histoire, elle est immensément complexe. Il y a encore peu de temps, l'histoire d'Homo sapiens, elle se résumait à il était une fois, il y a 60 000 ans, Homo sapiens est ressorti d'Afrique, il a recolonisé tout l'Ancien Monde, tout à la fin, il est allé en Amérique, point. Évidemment, on se rend compte que on n'a pas beaucoup de pièces, mais à chaque fois qu'on en trouve, ça ne colle pas avec quelque chose d'aussi simple, et il n'y a aucune raison pour que l'histoire d'Homo sapiens sur 60 000 ans, 80 000 ans, elle était aussi simple que aller d'un point A à un point B et rester dans la même région. Donc c'est vraiment très 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 dynamique, sauf qu'on a du mal à retrouver les pièces qui permettent de reconstruire cette dynamique. Bonjour à tous, Patrick Fils de Bergerac. Je voudrais poser une question qui intéresse plusieurs disciplines. Monsieur Flass, quand vous êtes archéologue des vestiges matériels, je voudrais vous demander maintenant s'il y a un affinage en ce qui concerne la typologie. Est-ce qu'il y a toujours avec vous des fossiles directeurs de la typologie? Je pense au rectangle de Couze, je pense aussi bien à la retouche sur Faplane de Châtel-Péronne ou autre pointe de la gravette, par exemple. Il y a aussi le grattoir en bout de lame étranglé du Périgordien. Dans ce feuilletage de toutes ces cultures lithiques un peu différentes, est-ce qu'il y a eu parfois association de restes dominidés en même temps que ces diverses cultures? Parce que je pense que pour identifier je suppose que lorsque vous trouvez un vestige d'humanoïde dans une couche donnée, vous êtes obligé de faire une péréquation entre le vestige et l'industrie lithique qui y est associée. Est-ce que vous dites qu'effectivement, à chaque fois dans ce feuilletage, on constate qu'il y a interpénétration de groupes différents? Et là, il serait intéressant d'avoir des études comparatives au niveau squelette, au niveau humain, de ces vestiges humains. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des études comparatives? Bien entendu, c'est une, je dirais presque une quête pour beaucoup de nos collègues d'essayer de trouver ces corrélations, ou ça l'a été pendant tout un moment, en tout cas d'essayer de trouver ces corrélations entre des types humains et des vestiges matériels qui seraient suffisamment culturellement significatifs pour servir de marqueur à des définitions d'entités culturelles. Alors l'approche, bien entendu, comme vous le dites, ça s'est longtemps basé sur une approche typologique des vestiges en pierre, des vestiges lithiques. Cette approche typologique, elle a un peu évolué forcément avec la discipline, avec le temps, où on s'est intéressé plus qu'à la forme finale des objets, des types d'outils, à la manière dont ils sont fabriqués, pour essayer d'avoir une approche qui soit plus significative, parce que vous pouvez avoir des types d'outils qui se ressemblent, mais qui en fait n'indiquent pas forcément un lien culturel ou une tradition culturelle très fort, parce que vous pouvez avoir des phénomènes de convergence où dans différentes régions, à différentes périodes, on va réinventer des types d'outils qui sont proches, parce que c'est les mêmes contraintes matérielles, le même type de matière première qui est utilisée, les mêmes fonctions. On cherche à faire la même chose avec le même type de matériaux. Et donc, il y a toute une série de contraintes mécaniques,
balistiques, par exemple, pour des projectiles, qui font qu'on va aboutir aux mêmes formes. Donc on peut avoir des choses qui se ressemblent très fort et qui vont nous pousser à créer des connexions qui, en fait, sont des connexions trompeuses parce que c'est des réinventions sans forcément qu'il y ait de transmission par éducation, de génération en génération, ou par migration, par échange géographique. Néanmoins, il reste toujours bien des manières de faire, certains types d'outils qui sont cohérentes chronologiquement et géographiquement, qui nous permettent de définir des entités qui sont significatives. Par exemple, voilà, le Châtel-Péronien, c'est quelque chose qui existe vraiment, si on veut. Il y a une manière de faire des types de pointes particulières dans cette région-là, à cette période-là, qui est différente de ce qui précède, qui est différente de ce qui suivra, qui est différente de ce qu'il y a autour, et qui nous indique, de la même manière qu'on pourrait, par exemple, faire des groupes culturels très larges en prenant au XVIIIe siècle, disons avant qu'il y ait un peu de globalisation, les régions où on utilise des fourchettes et les régions où on utilise des baguettes pour manger, vous aurez des entités culturelles bon, qui sont très larges et qui sont basées un peu sur un détail de la vie quotidienne, mais qui seront, qui diront quelque chose de significatif. Le lien avec les restes fossiles, on essaye de le faire quand on en a. On en a beaucoup moins que des vestiges lithiques. C'est finalement pas si commun de trouver des vestiges humains. Et il faut qu'on les trouve dans des bonnes conditions. Hein. Vous parliez tout à l'heure du problème de l'association entre les fossiles humains et les outils qu'on va trouver dans les mêmes couches. Il faut que ces couches ne soient pas mélangées. Et comme on travaille sur des dépôts de sédiments qui sont vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, qui ont traversé des périodes climatiques assez différentes, ils ont subi des effets de remaniement, parfois, voilà, à cause du gel, des gels, par exemple, de l'activité de tas d'animaux, etc., qui sont venus sur les sites, qui ont creusé des bauges ou des terriers, toute une série de phénomènes qui vont poser problème et qui exigent une lecture très fine, très précise, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui fait aussi que c'est parfois difficile d'utiliser les données des anciennes fouilles du 19e ou du début du 20e siècle, parce que on a des associations de vestiges et de restes humains qui, dont au final, on ne sait pas si elles sont vraiment significatives ou pas, en raison de la complexité des processus géologiques qui affectent les sites. Donc, bien entendu, on continue à faire ça, et on continue à le faire aussi avec la génétique maintenant, où, voilà, comme on le disait tout à l'heure, on va avoir des restes humains. Bon, ce sont tous des Cro-Magnons, mais à l'intérieur de tous ces Cro-Magnons, on va pouvoir voir que certains ne sont pas des mêmes lignées génétiques. Donc, la génétique relance un peu, en fait, cette question d'association des groupes humains et des cultures matérielles. Ça reste quelque chose qui est un peu dangereux, un peu casse-gueule, parce qu'il y a eu des tas de contre-exemples. On partait du principe que le Châtel-Péronien, comme il était de technologie plutôt paléolithique supérieure, ça devait forcément être fait par des Cro-Magnons. Puis on a trouvé des restes néandertaliens dans des couches avec du Châtel-Péronien. Bon, c'est un peu remis en cause aujourd'hui, pour des raisons là taphonomiques. Mais aussi, au Proche-Orient, on a trouvé des Homo sapiens. Et puis on s'est rendu compte que les vestiges associés, la culture matérielle associée, étaient très similaires aux Moustériens d'Europe, faits par des hommes de Néandertal. Donc ces équations type humain, culture matérielle, reste quelque chose de très glissant et d'un peu dangereux. Même si je pense que ça fait partie de notre travail aussi de continuer à poser cette question et à voir si ça fonctionne ou pas. Tu veux faire un petit complément, Noël ? Oui, ben en fait, la question que pose monsieur, moi, m'évoque presque un nom qui est François Borde, cette typologie statistique, en tout cas ce moment où les origines de ce que les préhistoriens des années 50-60 ont appelé eux-mêmes la préhistoire moderne, il était temps qu'elle déboule. Et effectivement, c'est par rapport au système que je décrivais pour le 19e siècle avec le fait de faire se correspondre des types. Mais au 19e siècle, on a, je dirais, une typologie globale, c'est-à-dire qu'on aura Cro-Magnon et une époque d'Aurignac, avec deux outils
caractéristique maximum, parce que si on se met à caractériser l'époque d'Aurignac par 3, 5, 10, 20, 30 outils, on va considérer qu'on la caractérise plus du tout. Ce qui caractérise vraiment la pensée, c'est cet esprit-là de Nathalie Richard a parlé du triomphe de la simplification. On est dans une démarche très simpliste. Là, après, à partir des années 1950, on va se mettre en place des typologies qui seront normées. On aura un certain nombre de types, pas plus. Et finalement, c'est véritablement les assemblages de ces différents objets qui vont devenir significatifs. Et à partir de ça, notamment, alors là, on est sur le Paléo moyen, mais sur le Moustérien, on n'est pas chez Cro-Magnon, mais c'est comme ça que Borde va mettre en évidence ce qu'il appellera un complexe moustérien, dans lequel on aura différents faciès. Alors on est dans quelque chose d'affiné par rapport au XIXe siècle, mais on est toujours effectivement dans une démarche naturaliste, et ce qui fait qu'on a quand même toujours cette notion de type, mais qui finalement qu'on a vu passer un peu dans les discussions, parfois ça marche, hein, et c'est pas forcément le type, n'est pas forcément le diable. Mais donc là on aura quelque chose effectivement d'affiné, et je pense que... Un élément important de différence de la démarche, c'est que au XIXe siècle, on travaille par extrapolation. C'est-à-dire que ce qu'on va observer à Cro-Magnon va être valable pour la France, évidemment, pour une bonne partie de l'Europe, etc., à partir du moment où on va s'entendre avec ses collègues belges, ses collègues allemands, ses collègues anglais, etc. On va travailler par extrapolation, c'est ce qui permet aussi de voir ce type de Cro-Magnon se développer à l'échelle du monde et être aussi bien pertinent pour un Français qu'un Anglais, qu'un Allemand, voire qu'un Américain. À partir du milieu du XXe siècle, et je crois que c'est encore un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais là mes collègues me reprendront si je me trompe, si j'ai une vision un peu trop datée, on ne va pas extrapoler, on va synthétiser. C'est-à-dire qu'on va partir d'observations. C'est-à-dire qu'on ne va pas, à une époque, on va dire, Cro-Magnon c'est le paléo-sup, Néandertal c'est le paléo-moyen, boum. Et chaque fois qu'on trouvera, on va faire en sorte que ça corresponde. Dans les démarches actuelles, me semble-t-il, on note des associations, alors finalement, entre, l'anthropologique, le génétique et le culturel, quand on peut les établir et qu'on les identifie, on va les garder, en mémoire, et on va les comparer de proche en proche. Et donc c'est une démarche, c'est un niveau d'explication très général, mais c'est vraiment une démarche radicalement différente. Et donc il y a ce basculement, me semble-t-il, apparaît on a un modèle 19e et un modèle 20e siècle. Voilà. Mais en tout cas, du coup, on va véritablement vers des constructions différentes. Et alors, ça peut, dans les années 20-30, s'incarner dans certains travaux de Denis Peroni, c'est un peu ce à quoi faisait allusion Damien, identifier Aurignac et Cro-Magnon, si je ne dis pas de bêtises, et puis le Périgordien avec Comte Capelle, si je ne dis pas de bêtises aussi. Et il va bâtir tout un scénario avec les Aurignaciens qui arrivent, qui foutent la pâtée, parce que c'est vraiment ça, Comte Capelle, mais les autres se retirent un moment, puis ils reviennent, ils retapent dessus, ils reprennent le dessus. Et tout ça, d'un point de vue archéologique, ça s'incarne de façon parfaitement scientifique, dans une alternance de stratigraphie. Alors, je ne sais plus bien le nom du site en tête, etc. Mais, si vous voulez, c'est une interprétation événementielle d'une stratigraphie où on aura pénétration de différentes couches qui pourraient montrer le départ d'un, le retour de l'autre, etc. C'est ce que Breuil aussi construit pour le paléolithique ancien et moyen à l'échelle de l'Europe, où il montre une alternance d'industrie à biface et d'industrie sur éclat, qui pour lui correspond au déplacement du front, climatique. Et en fonction de s'il monte ou il descend, quand vous êtes à un endroit précis, dans la stratie, vous aurez
une couche de biface, une couche de nutrition sur éclat, une couche de biface, une couche de nutrition sur éclat, ce qu'on ne trouve pratiquement jamais. Mais ce n'est pas grave, à partir du moment, voilà, il va aussi faire... Mon Breuil n'est pas quelqu'un de malhonnête, pas en préhistoire. Donc il va... J'ai jamais accusé Breuil de malhonnêteté. Je n'ai pas dit ça. Voilà, donc un petit complément, disons, mais... Donc c'est, alors, voilà, toujours autour de cette idée de notion de type, s'il y a une différence peut-être, c'est une différence de granularité entre une démarche 19e et des démarches 20e et puis des démarches actuelles aussi. Bon, puis après il y a une complexification aussi de, et puis la fameuse pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au lieu d'ajouter les éléments de l'un de l'autre, et à un moment donné, on bâtit un programme en commun et on travaille tous ensemble. Et ça, ça change énormément les choses. Et ce n'est pas que de l'affichage pour choper du crédit. C'est véritablement une révolution épistémologique. Mais les crédits... Il y a Sébastien qui déteint sur Noël, on dirait. Non, tu voulais dire quelque chose, Sébastien? Ouais, puis après, on passera à la question de monsieur là-bas qui est patient. C'était... Je trouve que ça soulève des questions intéressantes. Votre question soulève des trucs assez intéressants. Il y a... un travail qui a été fait par les préhistoriens, Damien en a parlé, de remise en question de la typologie formelle et du raffinage grâce à la technologie, qui montre que les grands groupes chronoculturels définis pour le Paléolithique supérieur tiennent à peu près la route, comme le dit Damien. Même s'il faut être honnête, je pense que Damien ne me contredira pas. Et évidemment, dans les marges de ces groupes, il y a toujours des discussions sur savoir si tel truc appartient à telle industrie et telle associable à ça. Mais ça marche plutôt bien. À l'inverse, l'anthropologie biologique a montré que son approche typologique ne marchait pas. Et je pense que c'est extrêmement important à développer, parce que là, on est un retour avec la paléogénète assez fort de cette notion de type. Et nous, on a un passif qui est quand même assez lourd. Je veux dire, on a créé les races et ça a été utilisé quand même assez... Enfin, les anthropologues, les anthropobiologistes ont quand même participé activement à certaines choses qui ont été condamnables à des moments donnés, quoi. Enfin, qui étaient considérées comme bien à des moments donnés, puis condamnables un peu a posteriori. Et donc, on a montré que statistiquement, la création de boîtes telles qu'on voulait les concevoir et de montrer les différences, donc je vais prendre un exemple très simple, les blancs et les noirs, ça ne marche pas. Et les mecs ont essayé, hein, je veux dire, ils ont pas, je vous dis pas juste, il y en a un qui a fait dans son coin, il a fait un article, on a dit que c'était mauvais. Non, les gars, ils ont essayé à fond, hein, de essayer de montrer que les blancs et les noirs étaient différents. C'est pas que ça marche pas parce que les blancs et les noirs sont pas différents. Quand vous essayez d'expliquer à quelqu'un, le mec il vous dit mais les noirs ils sont pas pareils que nous, ils sont noirs, ok ça marche. Jusque là ça va très bien. La question c'est quoi les limites de ta boîte, mec? Tu prends ta boîte de blanc, tu prends ta boîte de noir. Tu regardes la diversité au sein de ta boîte de blanc. Comment est-ce qu'ils sont blancs? Quels sont les critères que tu regardes? Visiblement la couleur de peau. Comment est-ce qu'ils sont blancs dans ta boîte de blanc? Comment ils sont noirs dans ta boîte de noir? Maintenant tu étudies statistiquement la diversité, la distribution de la couleur de ton blanc, parce que tu me dis ton blanc, là, tu le mets vraiment dans ta boîte de blanc, celui-là, parce qu'il n'est pas très blanc. Moi, tu me mets dans la boîte de blanc, je suis pas très blanc, quand même. Bon, ok. Donc, tu as la distribution de tes blancs, tu as la distribution de tes noirs. Et tu t'aperçois que la diversité au sein de ta boîte de blanc, au sein de ta boîte de noir, elle est plus importante que la différence entre deux moyennes. C'est qu'il y a un problème. Ok, le noir, il est différent de toi. Ça marche. Mais ta boîte, elle n'est pas bonne. Donc, les concepts sous-jacents de ta boîte, elle n'est pas bonne. Sont pas bons. Donc, ta typologie ne marche pas. Et c'est un gros blocage dans l'anthropologie biologique. On aimerait bien, on ne sait pas comment dire. Dire, les mecs d'Amérique du Sud et les Chinois, ils ne se ressemblent pas foncièrement, quoi. C'est-à-dire que là, je prends des mots qui sont associés à des zones géographiques et des nationalités, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, parce que je ne peux pas les appeler mongoloïdes, parce que ça ne marche pas, ou ce que vous voulez, ça ne marche pas. Et donc, je suis un peu emmerdé, je ne sais pas comment dire. Ils sont assez différents, donc j'étudie de manière très polie leur diversité, mais je ne peux pas faire une boîte de Chinois, ça n'existe pas, une boîte de Chinois. Je ne connais pas la diversité morphologique des habitants de la Chine actuelle, mais j'imagine qu'elle doit être hyper, hyper importante. Vous êtes un sacré bordel. Je ne veux pas m'attaquer à ce truc-là. Mais c'est juste que nous, en tout cas, on a. Donc, je finis mon exemple. La typologie en préhistoire a été raffinée et fonctionne à peu près, je pense. C'est un point de vue extérieur, je ne suis pas préhistorien, comme je vous l'ai dit au départ. C'est devenu la typotechnologie, c'est devenu une lecture beaucoup plus raffinée, mais il y a quand même les fossiles directeurs, on peut quand même fonctionner là-dessus. La typologie en anthropologie biologique ne marche pas. Et on a démontré pourquoi elle ne marchait pas. Ça nous emmerde, mais ça ne marche pas. C'est bien, tant mieux, ok, tranquille. Et maintenant, on arrive à un stade, et je pense qu'on va aller entendre dans les 20 prochaines années, c'est que les constructions de la paléogénétique sont pour l'instant, comme le disait Céline, on est qu'au démarrage.
Il y a plein de problèmes méthodaux qu'on ne comprend pas, il y a plein de problèmes d'analyse qu'on ne comprend pas, il y a des problèmes de résolution qui fait que le cluster génétique gravétien d'Ony Vestonite à l'heure actuelle, qui va être raffiné en 40 clusters différents et qu'on va montrer des trucs encore plus. Donc, il y a tout un. On est au début, on est vraiment au toute jeunesse d'une création et qui va faire, à mon avis, qui va avoir les mêmes problèmes de dérive qu'il y a eu en préhisto, qu'il y a eu en anthropo, et on va arriver à ces dérives-là, qui sont potentiellement dangereuses, mais vous en faites pas, on se battra pour que ce ne soit pas. Et on va aussi avoir des rediscussions et des raffinages. Voilà. Excusez-moi, c'était un peu long, mais c'était. Je vais pas continuer parce que la réponse a été longue, il faut qu'on passe à une autre question, mais je suis totalement d'accord avec toi. Évidemment. Allez-y. Ça marche ? Oui. Moi, ce qui me pose question, ce serait le problème des apparitions et des disparitions. Par exemple, Erectus est apparu, puis il a disparu. Ensuite, les moustériens sont apparus, ils ont disparu. Ça me gêne énormément. Et en fait, je ne sais pas, quoi, parce qu'on est en train de parler en Espagne d'un moustérien dans une caverne à 50 000 ans qui décorait les parois. Bon, c'est peut-être une erreur, peut-être mais bon, je ne comprends pas ces histoires de disparition et d'apparition, et c'est ce qui me gêne beaucoup. Alors, il semble que ce soit pour moi. Non, plus simple. Non, c'est. Faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi ça vous gêne et est-ce que. Non, mais pourquoi ça nous gêne collectivement? Est-ce que la réponse, un premier niveau de réponse, c'est pas déjà parce que aujourd'hui on est la seule espèce vivante d'homme. Mais ça, ça ne s'est jamais produit par le passé. C'est quelque chose qui est unique depuis 30 000 ans, qu'il n'y ait qu'une seule espèce d'homme qui vive sur Terre. Les Erectus, par exemple, oui. Ils ne sont pas disparus comme ça. Mais non. Mais alors, aujourd'hui, on est la seule et unique espèce d'homme vivant sur Terre et on occupe toute la Terre. Donc on les a fait disparaître. Quelque part, oui. Hein? Ou alors, faut imaginer. Ah ben, on n'est pas une espèce très sympa avec les autres espèces, que ce soit animale ou humaine. Il faut essayer de. C'est assez compliqué, mais de s'imaginer en dynamique démographique. Aujourd'hui, il y a des Homo sapiens partout sur la Terre. Il y en a partout. Il n'y a pas un seul endroit où on n'est pas mille pieds, où on puisse être tranquille, si on veut être tranquille. Si on monte il y a 500 000 ans, donc où il y a vaguement des Homo erectus, peut-être en Europe, en tout cas en Asie du Sud-Est, la démographie était très probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basse. Ce qui fait que finalement, si on veut revoir ça sur une tranche de temps de 10 000 ans, ce qui est presque rien, mais c'est quand même beaucoup, Homo erectus a le temps, un groupe d'Homo erectus a le temps d'être, je ne sais pas, en Thaïlande. Et puis 5 000 ans après, il n'est plus en Thaïlande, donc il a disparu. On se dit, tiens, il a disparu, et en fait, il est encore sur l'île de Java, par exemple. Et puis, il y a 50 000 ans, quand les Homo sapiens arrivent, on ne sait pas trop, peut-être qu'il y avait encore quelques Homo erectus, auquel cas l'arrivée d'Homo sapiens n'aurait pas fait du bien. Mais peut-être que finalement ils avaient déjà disparu. Là, on n'a pas une résolution chronologique qui soit assez fine encore. Et en fait, c'est ce qui s'est produit depuis 10 millions d'années. En Afrique de l'Est, il y a 3 millions d'années, il y avait au moins deux espèces du genre Homo et au moins deux espèces du genre Paranthropus qui vivaient dans une petite zone géographique qui est l'Afrique de l'Est. Alors bien sûr, c'est des hommes qui vivaient il y a très très longtemps, mais alors probablement qu'ils ne se rencontraient pas très souvent. Ils vivaient probablement chacun dans leur petite niche écologique, dans leur petit coin préféré, au bord des rivières, dans les zones très ouvertes, dans les zones très forestières, ainsi de suite, et sans pour autant se mélanger et pour qu'il n'y ait pas de différence d'espèce. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on trouve par exemple chez les chimpanzés, les groupes de chimpanzés qui vivent d'un côté ou de l'autre du fleuve qui est infranchissable. Ben voilà, on a deux espèces de chimpanzés qui sont l'une à côté de l'autre, mais qui se rencontrent pas en fait. Et notre histoire, elle est faite de ça. Il y a que depuis 30 000 ans qu'on est tout seul, comme des idiots.
a occupé toute la Terre. Avant, il fallait imaginer des petits groupes descendants de telle espèce ou descendants de telle autre espèce qui ne se sont pas vus depuis des dizaines de milliers d'années et puis qui, soit le jour où ils se revoient, ils ne sont plus interféconds, soit ben, ils disparaissent chacun de leur côté sans jamais avoir imaginé qu'existait... Mais après, il y a le problème de l'apparition. Ah mais ça c'est... C'était une question d'autant. Alors l'apparition, le mot est trompeur. Il n'y a pas d'apparition. On dit que ça s'est apparu. C'est ce que j'ai entendu. Oui, l'origine d'Homo sapiens, parce qu'on peut la retracer. Mais l'apparition, c'est, tout ça, c'est jamais que de la sélection naturelle. Hein. Ça prend du temps. Et du nôtre. Mais... Parfait. Vas-y, si tu veux. Bah moi, sur les questions d'apparition, effectivement, les espèces n'apparaissent pas comme ça. Elles évoluent à partir d'espèces qui existaient précédemment. Au bout du moment où on a accumulé un certain nombre de différences, principalement morphologiques, parce qu'avec l'ADN, on n'arrive pas à définir des espèces, mais au bout d'un certain nombre de différences morphologiques, on va dire que cette population-là, ces individus-là, ils sont suffisamment différents des individus qui vivaient quelques centaines de milliers d'années, quelques millions d'années auparavant, pour qu'on donne un nouveau nom d'espèce. Et on va dire qu'une nouvelle espèce est apparue. Après, arriver à distinguer le moment où réellement elle apparaît, c'est impossible. C'est un exemple que je donne dans des cours. C'est vous prenez du violet et vous le faites petit à petit évoluer vers du bleu. Et puis à partir de quel moment on est dans du bleu et à partir de quel moment on est dans du violet ? C'est pas possible. Là, ce qui nous facilite un petit peu les choses, c'est qu'on n'a que quelques fossiles. Et donc on va avoir des taches, voilà, des photos de violet en train d'évoluer en bleu. Et donc on va avoir un moment où ça va être suffisamment proche du violet pour qu'on dise que c'est encore du violet, et un autre moment où ça va être suffisamment proche du bleu pour qu'on dise que c'est encore du bleu. Mais tout ça, c'est dans un continuum temporel, puisque l'espèce Homo sapiens, elle dérive d'une espèce antérieure et antérieure et antérieure et antérieure. Il n'y a pas eu d'apparition d'Homo sapiens comme ça. Alors, et au milieu, entre l'origine et la disparition. Ça, je laisse. Il y a un très bon parallèle qu'on utilise de plus en plus. En plus, ça a du sens par rapport au réchauffement climatique. C'est les ours blancs et les grizzlies. Les ours blancs et les grizzlies, aujourd'hui, n'importe tout le monde dans cette salle est capable de reconnaître, ah ça c'est un ours blanc, ça c'est un grizzly. Ils ont vécu pendant des dizaines de milliers d'années, tranquillement dans leur coin, sans savoir, évidemment, les ours blancs ne savaient pas que les grizzlies existaient, les grizzlies ne savaient pas que les ours blancs existaient, puisqu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Les effets du réchauffement climatique, probablement, font que les ours polaires descendent, et les grizzlies montent. Et ils se rencontrent, et on se rend compte, tout à coup, que ce qu'on connaissait dans les zoos ou dans les cirques, se produit dans la nature, c'est-à-dire que les grizzlies et les ours blancs sont capables de se reproduire. Alors on appelle ça des pislis ou des gros lards. On va éviter gros lards en français, ça n'a pas vraiment le... Mais, et alors, si on remplace grizzly par homo sapiens et ours blanc par néandertal, eh ben, on a quelque chose qui est probablement ce qui s'est passé entre nos deux espèces, parce que par ailleurs, quand on regarde les génomes de chacune des deux espèces, elles sont bourrées d'introgressions, ce qui veut dire qu'il y a probablement quelques dizaines de milliers d'années, elles partageaient une zone commune, ces deux espèces, où elles se reproduisaient, puis petit à petit elles ont été séparées, donc elles ne se rencontraient plus, d'où la formation de deux nouvelles espèces, alors qu'au départ c'était un seul groupe. Et aujourd'hui, donc la séparation visiblement n'a pas été total, biologiquement en tout cas, puisque aujourd'hui, quand ils se retrouvent de nouveau, pour des raisons environnementales, eh ben, elles sont interfécondes de nouveau. Donc là, après, on va rentrer dans la définition de l'espèce. Et là, on arrive juste dans la définition de l'espèce, et sinon, on peut carrément penser compliqué. Qu'en fait, depuis Homo erectus, c'est la même espèce. Attendez. Oui, mais après, on laisse la parole à d'autres personnes. Allez-y. On dit Sapiens est apparu en Afrique. Donc il est apparu à partir d'une autre espèce, forcément. Oui. Donc admettons à partir d'Erectus, par exemple. Mais pourquoi est-ce que l'Erectus asiatique n'aurait pas fait apparaître un autre sapiens qui serait à peu près semblable? Il l'a fait.
Mais il s'appelait Homo floresiensis. Il ne s'appelait pas Homo sapiens. Et il a disparu. Sûrement à l'arrivée d'Homo sapiens. Disparition. Allez-y, madame, votre question. Vous avez en partie répondu à mon interrogation. Je voudrais savoir sur l'homme de Pékin, quelle est la corrélation entre néandertalien, Cro-Magnon, l'homme de Pékin a été découvert, si je me trompe, vous le dites, par Teilhard de Chardin, au sud-ouest du désert de Gobi, en Asie. On parle très peu de ce monsieur, et pourtant, il représente quand même une espèce, ou fait-il partie de notre catégorie, entre guillemets? Qu'est-il devenu? A-t-on fait des recherches sur lui-même? Et pourquoi on n'en parle pas? Alors, l'homme de Pékin, c'est ce qui s'est appelé à l'époque de la découverte, alors avant Teilhard y a beaucoup contribué, mais avant Teilhard il y a eu d'autres chercheurs, c'est ce qu'on a appelé un temps Sinanthropus pekinensis. Donc le nom d'espèce pekinensis, c'est carrément un autre nom de genre, on l'avait exclu du genre homo. Donc ça a été révisé dans les années 50, puisque les chercheurs se sont rendus compte que ce qu'on appelait en Chine Sinanthropus, ce qu'on appelait en Indonésie Pithecanthropus, ce qu'on appelait en Afrique australe Telanthropus, tout ça en fait ça appartenait au genre Homo, et plus probablement même à une seule et unique espèce, Homo erectus. Donc on le connaît, cet homme de Pékin, on le connaît très bien, sauf que maintenant il s'appelle Homo erectus. Homo erectus de Chine, en particulier du gisement de Choukoutien. Après, j'ai oublié l'autre aspect. Ah, les relations par rapport à Néandertal. Alors ça, on n'est pas au bout de nos surprises avec les fossiles découverts en Chine, parce que c'est un territoire immense. Les recherches modernes se développent depuis relativement peu de temps, et ils sont en train de trouver des choses fantastiques qui collent plus du tout dans les modèles qu'on avait en tête bien implantés. Ils ont des fossiles qu'ils ont commencé à publier qui ressemblent énormément à du néandertalien, ce qui choque beaucoup d'anthropologues et tout ça, parce que, évidemment, les néandertaliens ne sont jamais allés jusque là-bas, évidemment, puisqu'on n'en a jamais trouvé, ils n'étaient jamais allés. Mais y a aussi d'autres fossiles dans cette période chronologique, aux alentours de 200 000 ans, qui sont très très étonnants, et comme c'est en cours d'étude, en cours de publication, on ne sait pas encore exactement, mais je pense qu'il va, par rapport à Néandertal, et puis ma voisine me soufflait le fameux mystérieux Denisovien, je laisserai élaborer, je pense qu'on va découvrir des choses. Alors là, on sort largement de la période Cro-Magnon Homo sapiens, on est bien avant, bien plus ancien, mais là aussi, on va se rendre compte que l'histoire était beaucoup, beaucoup plus complexe que, bon, des Homo erectus sont arrivés jusque-là, puis au bout de 100 000 ans, ils ont disparu, et point. Il y a eu des choses probablement très complexes, il y a des choses très intéressantes qui sont en train d'être découvertes et qui vont être publiées sur ces fossiles. Alors, donc, je complète sur Denisova, puisque, voilà. Donc, Denisova, c'est une découverte qui a été un peu fortuite. Je vous ai dit, on a 51 génomes anciens ou des données génomiques sur les hommes Cro-Magnon du Paléolithique. Pour Néandertal, alors il y a eu une publication hier avec 5 nouveaux génomes, mais jusque-là, on en était à 3-4 individus sur lesquels on avait des données génomiques. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement faible pour témoigner de la diversité génétique complète d'une espèce. Et donc l'équipe qui s'intéressait à Néandertal a depuis longtemps cherché à exploiter sur le plan génétique le maximum de fossiles et est tombé un jour dans une grotte dans l'Altaï, donc dans la grotte de Denisova, sur une petite phalange qui a été sacrifiée pour une analyse paléogénétique, et on s'est rendu compte que le génome de cette petite phalange correspondait à une lignée humaine plutôt plus proche de Néandertal que de Sapiens, mais quand même extrêmement divergente de Néandertal. Donc on a d'un côté un génome avec aucune information morphologique, et de l'autre côté, effectivement, un certain nombre de candidats qui pourraient être cette lignée dénisovienne. J'emploie volontairement un terme extrêmement vague,
qui pourraient être cette lignée dénisovienne, mais pour lesquelles on n'a pas trouvé d'ADN. Donc pour l'instant, on a cette espèce de fantôme qu'est Denisova, mais on ne sait pas à quoi il ressemblait. N'hésitez pas de nous faire part de votre retour d'expérience sur cette expérience-là. Et moi, personnellement, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et pourtant, je suis restée debout là, tout le temps. Et je regrette presque que ça n'ait duré que ce temps-là. L'idée de vous faire travailler, ça me plaît bien. Je vous remercie à tous pour votre participation, à la fois les gens dans la salle et bien évidemment nos 5 intervenants. Merci beaucoup.